Bonsoir. La nuit dernière a été remarquablement chaude dans l'est du pays, où on a battu des records absolus. Ce fut le cas par exemple à Dole dans le Jura, avec pas moins de 24,7 degrés. Même chose pour Nancy, pas moins de 22,3 en fin de nuit. Les températures qui cet après-midi ont été excessivement chaudes à nouveau dans l'est. On est monté jusqu'à 36,7 degrés à Strasbourg ou encore 36,3 à Lyon. Et puis je voulais vous montrer une ambiance totalement différente sur les côtes de la Manche, où avec les grandes marées et les fortes rafales de vent, on a par endroits des phénomènes de submersion côtière, comme ici, vous le voyez, sur la commune de Barneville-Carteret, dans le département de la Manche. Alors attention aux orages qui éclatent ce soir dans le sud-ouest. Ils seront possibles dans la nuit prochaine en se décalant vers le Massif central et jusqu'aux Vosges. Et ils s'évacueront pour ce samedi matin par les frontières de l'Est, avec une nette atténuation de l'instabilité. Pas mal de grisailles attendues au sud de la Garonne, du soleil en Méditerranée. Et puis quelques averses dans le nord-ouest, notamment vers la Manche, avec un risque qui se maintiendra durant l'après-midi. Vous aurez également sur ces régions de fortes rafales de vent. Ailleurs, nuages et belles éclaircies alterneront, avec un soleil beaucoup plus franc vers la Grande Bleue. Les températures de votre samedi matin évolueront entre 14 degrés pour Limoges et 23 degrés pour Nice. Et l'après-midi, elles retrouvent les normales de saison. On va respirer dans l'est du pays, seulement entre guillemets 27 degrés pour Strasbourg, encore 35 quand même prévus vers Nîmes, mais comptez sur à peine 20 degrés à Brest, 23 degrés pour Bruxelles et 25 pour Paris. Dimanche, une alternance de nuages et d'éclaircies pour la plupart des régions, un soleil beaucoup plus présent vers la Méditerranée, mais avec Mistral et Tramontane, et des températures à peine de saison. On aura 21 pour Caen, 23 pour Luxembourg, 26 à Bordeaux et 30 pour Marseille. On gardera ce ciel variable lundi dans la moitié nord, quelques ondées éventuellement de la Manche aux Flandres ou encore entre les Alpes et la Corse. Globalement, ce sera ensoleillé dans la moitié sud avec toujours du vent pour le golfe du Lion et des températures bien fraîches le matin, à peine de saison l'après-midi, 24 pour la capitale, 26 à Bordeaux, encore 30 degrés pour Perpignan. Mardi, le soleil va briller dans les deux tiers sud avec une chaleur très estivale durant l'après-midi. Les nuages seront plus nombreux entre la Bretagne et la Belgique avec quelques gouttes. On retrouvera ces nuages dans les deux tiers nord pour mercredi, mais les précipitations vont rester rares, des températures tout à fait dignes de la saison et qui devraient reculer pour la fin de la semaine, avec peut-être plus de nuages et quelques ondées, notamment vendredi pour les régions de la moitié nord. Ce soir, je vous propose de très jolies couleurs avec un joli crépuscule dans le département de la Charente-Maritime, un très joli dégradé pour terminer la journée. Nous serons demain, le samedi 22 août, et nous fêterons la Saint-Fabrice. Bonne soirée à tous, excellent week-end et à demain.